Poursuivons à présent la catéchèse de celui que nous appelons le Dadi, Tata Cardinal, qui s'adresse maintenant à ces milliers de jeunes venus l'écouter en cette journée de saison de jeunes. Bondeko, Bilenge, Shalom, Shalom. Mes chers jeunes, frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église universelle célèbre en ce jour la solennité de Christ, roi de l'univers. Comme vous le savez, cette grande fête marque la fin d'une année liturgique dans l'Église. Aujourd'hui, nous clôturons une année liturgique. Le dimanche prochain, nous entrons dans la nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent. C'est aussi la journée du rassemblement des jeunes autour de leur pasteur. En effet, c'est depuis 2021 que sa sainteté, le pape François, a voulu que la Journée mondiale de la jeunesse, JMJ, soit aussi l'occasion de la célébration de la journée diocésaine des jeunes, JDJ. Et il a voulu que cette journée soit célébrée en cette solennité du Christ, roi de l'univers. Je suis ainsi très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, mes chers jeunes de l'archidiocèse de Kinshasa, pour offrir cette Eucharistie solennelle au Christ, roi de l'univers, le roi des rois. Boboto, avec affection, je salue chacun et chacune de vous venus avec joie à la rencontre de votre pasteur. J'étends cette même salutation à tous les jeunes qui nous suivent à travers les médias, la radio, la télévision. Mes chers jeunes, vous voir si nombreux et qui faisait périr tous ceux qui restaient fidèles à Dieu, beaucoup à l'époque, sous la terreur du roi Antiochus. Beaucoup de peuples d'Israël avaient pris peur, avaient abandonné leur foi et avaient commencé à sacrifier aux faux dieux. C'est dans ce contexte que le prophète Daniel annonce au peuple que ce roi Antiochus, qui apparemment est tout puissant, Daniel dit, ce roi passera. Son règne n'est pas éternel. Et que Dieu enverra un Messie roi qui étendra sa domination sur toutes les nations. Et c'est ce Messie roi qui sera le véritable roi qui établira le règne de paix, de justice et de bonheur pour tous. Cette annonce du prophète Daniel
pleine d'espérance et source de réconfort pour un peuple découragé, un peuple fatigué par la souffrance, comme le fut le peuple d'Israël. Dans la deuxième lecture, tirée du livre de l'Apocalypse, Saint Jean voit dans sa vision le prince des rois de la terre revenir dans la gloire. L'apôtre entend le Seigneur de l'univers déclarer : Moi, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Apocalypse 1, 8. Tout comme le prophète Daniel, Saint Jean dans l'Apocalypse convie à l'espérance l'Église naissante qui était persécutée par des empereurs romains. En particulier, après l'incendie de la ville de Rome, par le roi lui-même, par l'empereur lui-même, l'empereur Néron, qui est considéré comme le plus sanguinaire de tous les empereurs romains. Lui-même incendie la ville de Rome et il accuse les chrétiens d'avoir mis le feu à la ville éternelle. Ainsi, le premier chrétien à l'époque de l'empereur Néron était systématiquement traqué, accusé, sommé d'être la cause de tous les malheurs de la ville de Rome. Les chrétiens étaient sommés de renier leur foi et adorer l'empereur. S'il voulait avoir la vie sauve, il devait donc renoncer à confesser le nom de Jésus-Christ. Mais Saint Jean, dans l'Apocalypse, montre aux fidèles que Dieu seul est le véritable roi de l'univers. Et la victoire appartient à son Christ, pas au faux roi, pas au roi de la terre, parce que leur règne n'est jamais un règne éternel. Le vrai roi qui nous apporte la victoire définitive, le vrai roi qui nous apporte la paix, la sécurité, le bonheur éternel, s'appelle le Christ. Et il n'y en a pas deux. Boboto, dans l'évangile de ce dimanche, Saint Jean nous rapporte le procès de Jésus. Le procès de Jésus. Jésus devant le tribunal. Jésus devant Pilate. Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais commis un péché, est traduit en justice devant l'empereur romain, devant son procureur qui s'appelait Pilate. Au fil de l'interrogatoire et par ses réponses à Pilate, Jésus nous révèle que sa royauté est différente de celle des rois de la terre. En effet, Jésus déclare : Ma royauté n'est pas de ce monde.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. Je ne suis pas venu pour prendre un pouvoir terrestre. Le pouvoir terrestre ne m'intéresse pas. Les honneurs du monde, les avantages liés au pouvoir du monde ne m'intéressent pas. Je suis venu, je suis envoyé par le Père pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Et comme vous le savez, la vérité s'oppose au mensonge. Entre la vérité et le mensonge, il n'y a pas de communion. Dans cette certitude de foi, que celui, celle qui place son espérance en Dieu ne sera jamais déçu. Il y a donc là, frères et sœurs, mes chers jeunes, un message clair pour nous, les jeunes d'aujourd'hui. Célébrer la solennité de Christ roi, c'est affirmer que Jésus est le seul et unique véritable roi. C'est lui seul que nous devons suivre et écouter, pas le bavardage inutile de faux rois. C'est à l'avènement de son règne que nous devons tous travailler, célébrer la solennité du Christ roi de l'univers, c'est aussi faire triompher la vérité dans un monde, dans une société marquée par des mensonges et la propagation des illusions et de fausses promesses. Enfin, pour vous, mes chers jeunes, célébrer Christ roi, c'est s'ouvrir à l'espérance en un monde meilleur et en un avenir radieux. Que personne, donc, ne vous vole votre avenir. Votre avenir dépend de vous. Ne laissez à personne détruire et anéantir votre espérance d'un avenir meilleur. Malheureusement, avoir la réalité que vous vivez aujourd'hui, mes chers jeunes, la réalité de la jeunesse dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa, tout porte à croire que la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier est sacrifiée. L'intérêt de la jeunesse est devenu le cadet de soucis de ceux qui sont censés assurer sa promotion et son avenir. En effet, comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on dépense de l'énergie à parler de l'opportunité ou pas du changement ou de la révision de la Constitution, oui,
devons comprendre qu'on passe du temps. Boboto, je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée. Et de se soucier d'elle et de son avenir par des actions et des initiatives concrètes, bien réfléchies et planifiées. Au lieu de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Bombé à temps, sans embouteillage et à Kinshasa? Quelle est donc la qualité de la formation que nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui? Et que faisons-nous pour que cette jeunesse, de plus en plus abandonnée à son triste sort et qui voit son avenir bouché et sans perspective, puisse de nouveau espérer? Les priorités de la société congolaise sont ailleurs. Tout ce temps qu'on perd, toute cette énergie autour des changements constitutionnels n'est qu'une distraction. Mes chers jeunes, je vous exhorte aujourd'hui à tourner vos regards vers le Christ, le roi de l'univers. Lui seul est votre espérance. Oui, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Ne vous laissez donc pas tromper. Ne cédez pas aux fausses promesses, ni aux marchands des illusions. Suivez plutôt le Christ, votre espérance, ce roi de l'amour qui détruit la haine et la violence, ce roi de la vérité qui repousse le mensonge, la corruption et la tricherie, ce roi de la justice et de la paix qui réconcilie les cœurs au lieu de les diviser. C'est roi qui rassemble les enfants de Dieu au lieu de les diviser. Mes chers jeunes, alors que l'année jubilaire, l'année sainte 2025 va bientôt s'ouvrir, je vous exhorte à saisir cette opportunité pour changer le cours de votre vie par le renouvellement de votre être intérieur et par la vraie conversion des cœurs. Soyez des pèlerins de l'espérance dans un monde marqué par le désespoir et les antivaleurs. Même si le futur, l'avenir, apparaît sombre aujourd'hui, l'espérance vous convie à ne pas céder à la tentation du défaitisme
et de la résignation. Comme l'a dit le pape François, vous êtes le présent et l'heure de l'Église. Cette terre du Congo, notre patrie, vous appartient. Le Congo, c'est votre pays. Si vous vous découragez, personne d'autre n'en prendra soin mieux que vous. N'oubliez pas que tout pouvoir terrestre a un début et une fin. Mais le règne de Dieu est éternel. Que le Christ Jésus, le roi de l'univers, soit votre véritable roi et Seigneur. Que le Christ roi, roi de l'univers, soit le maître de vos cœurs et vous inspire constamment les sentiments de justice, de paix et d'amour. Qu'il affermisse vos pas et ravive votre espérance. Amen. C'était la homélie du père, père spirituel de la nation, le cardinal, à la jeunesse, un message fort qu'il passe à la jeunesse par rapport au changement de la constitution. Afrika cool, et abena cool, Afrika cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après vous toujours, après vous, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et sa chaîne, mon co, bah ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 ans à battre, et nous avons souscrité Bazoa. Donc, ils ont vraiment été au Balobakaki, Boka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Ouais. Donc, Eza et Lorona Bissot, Tosepe Laranango, Yango, chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Africa Cool. Et au moins, ma chaîne Oeza impartiale. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous pouvez placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotetala. YouTube yemoko à reconnaître que na pona ki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Africa Cool. Voilà. Tikala comme ça to partageaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire ya prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.